C'est ce dimanche 3 décembre 2023 que l'initiateur de la fondation Kaosi Bienvenue, lui-même en chair et en os, est allé visiter l'une de ses bases sur le quartier Lubuye pour leur annoncer la nouvelle sur sa bonne volonté d'aider plus la population du Tanganyika en devenant député provincial. C'est au cadre du parti politique Ensemble pour la République au Tanganyika, bienvenue Kaosi Lumbu, accompagné de quelques membres de la fondation qui portent son nom, accueilli par les habitants de ces coins de la ville de Kalemie qui croient aux bonnes actions déjà posées par la dite fondation. Tusione, jeunesse, tusione, bloco, mais bile nesha kufanya mo. Vile yetu ya Kalemi biko vikubwa. Na benye balipita, leo tuko na bona, mbengu nasimamisha, inakuwa ni maetaj. Mie sina muvile ya Kalemi juu nisimamisha etaj. Miniku muvile ya Kalemi juu nisaidie magumu ya population. Muka ni vote? Vile yetu ya Kalemi itaendelea mbele, utakuwa muassemblée provinciale, tunavote maloa iko itil pour que vile yetu ya Kalemi endelee mbele. Atari ile mi mwenyewe anesha kuonesha deja development vile yetu ya Kalemi. Vile yetu ya Kalemi kuko maevre nye kulesha kufanya na nye kupalpable ukafika unauliza sina ya kusema siyafanya evre huku penye banesha kupitia mkingu yungu huku masoma yenye tulijenga mfua yangu prote na batoto wewe wafunda pale kwa buu kwa bure. Jina ni MPL Messager iko pale Kunduyu. C'est une véritable campagne de proximité que mène Kaosi Lumbu Bienvenue sur place à Lubuye. Le candidat numéro 81 à la députation provinciale circonscription électorale de Kalemie Ville continue à ratisser large dans la ville de Kalemie. Les avenues tombent les unes après les autres. Je pense. Le numéro combien? Voilà, numéro 321, au niveau provincial. Coucou la numéro 107, au niveau municipal. Tout le monde ne jure que par l'élection de ce ticket gagnant, disciple de Moïse Katumbi après son passage.